cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel tel un rêve éternel où le temps même s'efface. Vous êtes sûr de l'endroit? Oui, absolument. Venez, j'ai entendu distinctement un des hommes dire à l'autre: ta verrue du chien allons, qui fume. Monsieur, approchez. De la bonne huile de noix d'Antarès pas chère. Les belles salades maraîchères, elles viennent directement d'Andromède. Venez des voir. Des oiseaux qui parlent, des singes savants, tous les animaux. C'est à deux pas maintenant. Attends, vous en êtes certain? Absolument, absolument. Je reconnais. Vous allez voir. Nous arrivons. Vous avez la réputation d'un informateur sérieux, Clark. Aussi, sachez que nous avons pris des dispositions, mais tout ça semble incroyable. Comment? Ici même, à Omega, des mercenaires? Voilà l'enseigne. Dépêchons, métro, quoi, on est toujours en retard, on musarde. Mais non, jeune homme, on ne musarde pas, on s'instruit tout simplement. Votre monde est tellement bizarre, tellement illogique. Vous voyez le climat? Alors, mon gars, tu peux offrir un verre à un ami, non? Pardon. Dites donc, vous, ça ne va pas. Cet animal boit? Animal toi-même? Non, il ne boit pas, mais moi, voyez-vous, je bois pour quatre, patron. Tenez, l'un de mes hommes. Alors, tu offres un verre, ami? Pardon. Hé! Hey. Viens. Et voici l'autre. Bon, alors tu vas bien écouter ce que je vais te dire. Peux-tu les capter et transmettre? Je suis là pour cela, il me semble. Des êtres inférieurs, et puis ils habitent dans des cavernes, à ce qu'il me paraît. Ils vivent de la chasse, avec des bouts de bois, tu te rends compte? J'ai l'impression que ça doit être de drôles de gars, tout de même. Et nous, dans toute cette salade, qu'est-ce qu'on fait? On installe d'abord la base, puis les renforts arrivent. Ouais, et à partir de là, nous n'aurons plus aucune difficulté à conquérir la planète. Et tout ça pour le compte de qui, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Écoute, moi, je crois qu'il vaut mieux pas trop chercher à savoir qui c'est. On est plutôt bien payé avec nos armes. On sera les rois là-bas. Même bien payé, un mercenaire a le droit de savoir qui le paye. Taisons-nous, voilà notre recruteur. Eh bien, métro. Avec votre permission, j'installe un brouillage d'ondes. De cette façon, mon collègue là-bas ne me détectera pas.
voilà qui est fait. Et pour ses états de service, c'est une recrue de choix. Très bien. Dans 2 jours, au lever de la lune, un vaisseau viendra vous chercher. Alors... Donne le signal, métro, vite! Vous parlez trop tous les deux. Je vous ai déjà prévenu. Non, je vous jure. Non. Maintenant, il est trop tard. Mais que se passe-t-il ? Métro, voulez-vous repasser la phrase, je vous prie ? C'est très inférieur, et puis ils habitent dans des cavernes, à ce qu'il paraît. Ils vivent de la chasse, avec des bouts de bois, tu te rends compte ? Nous allons d'abord localiser la planète en question. Projeter les informations sur les planètes habitées par des êtres en voie de développement et qui chassent les fauves avec des pics de bois. Planète Larissa, dans la constellation de la Grande Ourse. Distance 23 377 400 années-lumière. C'est l'une des planètes les plus excentriques de la galaxie en spirale M101. Vie humanoïde peu évoluée, surtout faite de chasse. Planète fermée. C'est pas ça, non. Merci, petite planète extérieure de l'amas sphérique M13 de la constellation d'Hercule. L'amas contient 300 000 étoiles et possède un diamètre de 23 minutes d'arc ou 25 000 années-lumière. Atmosphère de cristal liquide, mortelle pour l'homme. Une forme de vie existe, plutôt évoluée et adaptée à cette atmosphère. Planète fermée. Lonette, constellation du triangle. Planète moyenne de la galaxie en spirale M33. Distance, 2 millions d'années-lumière. Du fait de la course très elliptique de cette planète autour de son soleil, un froid mortel succède à une chaleur excessive. Ces conditions ne permettent pas le développement d'une vie évoluée. Planète fermée. Mais non, ce n'est pas du tout cela. La phrase disait « habite dans des cavernes ». Or, tous ces êtres ne semblent pas logés. Nous ne savons pas trop où ils habitent, Métro, et il se peut que nous confondions grotte et terrier. Vous voilà devenu bien pédant, jeune homme. Il me semble qu'il faudrait botter un peu vos connexions pour vous amener à plus de modestie. Vous me la baillez belle, jeune homme. Jeune homme, vous-même. Modeste, modeste avec l'exemple que vous m'avez donné. Non, mais en voilà des façons de me parler. Planète Clarus, dans l'amas NGC 752. Je crois que nous pouvons éliminer cette planète-là, après notre incursion là-bas. La galaxie spirale d'Andromède M31, 400 milliards d'étoiles. La planète Diane, distance 2 millions d'années-lumière. Atmosphère compatible aux humains, habitants primitifs, sous surveillance éloignée. Environ 20 000 ans seront nécessaires avant qu'ils puissent intégrer la Confédération. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'ancêtre ? Eh bien, dites-donc, vous ne vous êtes pas regardé. Il me semble que cette fois, nous tenons notre planète. Reprenons l'enregistrement. Des êtres inférieurs qui habitent dans des cavernes. Ils vivent surtout de la chasse, avec des bouts de bois. Il semble qu'une fois encore, l'invasion d'une terre se prépare et le colonel recommande une intervention en force contre les assaillants. Je suis bien d'accord, mais enfin, ces assaillants, nous n'avons aucune certitude quant à leur identité. L'enquête continue, mais quelle qu'elle soit, je suis pour une action dissuasive. Si c'est l'un des nôtres, il s'agit d'une décision importante. Il faudrait la soumettre au conseil. Voilà le point sensible. Il faut compter aussi avec les craintes, les problèmes et les intérêts de certains. Nous n'aurons pas la majorité pour l'action au Conseil. Et les assaillants, s'ils sont parmi nous, vont connaître nos intentions et mieux les déjouer. Dans le cadre de mes fonctions, je peux couvrir toute opération de police d'un caractère limité. Mais le colonel souhaiterait bien plus. Connaissant votre attachement à la Confédération, je voulais connaître votre opinion, messieurs. Selon moi, il faut rester dans le cadre d'une opération de police. Si l'adversaire arrive en force, nous allons avoir bonne mine. Vous avez sans doute raison.
Alors, optant pour une vaste opération de police. Il faut du cuirassé dont je rêve pour contrer ces sagouins. J'aurais tellement aimé envoyer là-bas un ou deux croiseurs lourds. T'en fais pas, vieux. On fera du bon boulot avec ce qu'on a. Entrez, messieurs. À vous, commandant. Mission de surveillance et de défense de la planète Diane contre toute incursion étrangère. Les croiseurs Kangourou, Cobra, Couleuvre participeront à l'opération et seront placés sous les ordres respectifs des capitaines Edstrom, Agar et Malpa. Je vous commanderai du Colibri. Les vaisseaux légers Libellule et Araignée seront sous les ordres des lieutenants Pierrot et Petit Gros. Ils auront pour tâche la surveillance proche du sol et la prise de contact pour recueillir les informations. Voilà les ordres. Vol en formation jusqu'à l'objectif. Départ dans 2 minutes. Allez, messieurs. Très bien. Et voilà. Tout va bien à bord? Tout est ok, lieutenant. Messieurs, dans 10 secondes, on passe en hyperespace. Va voir, c'est vraiment extra l'hyperespace. Retour en espace normal dans quelques secondes. Attention. La galaxie M31 d'Andromède. Cette libellule, quelle bonne bête. Bien retapée, elle tient le coup comme avant. À tous les vaisseaux, appel à tous les vaisseaux. Nous entrons dans la zone d'attraction du Soleil de la planète Diane. Nous décrivons une ellipse pour y échapper. Objectif en face de nous. Kangourou, Cobra et Couleuvre, avec moi. Nous restons en orbite hors stratosphère. Essayez de trouver un abri naturel, météorite ou autre, pour vous mettre à l'affût. Les jeunes gens, à vous. Araignée, observation rapprochée. Libellule, investigation au sol. Et rappelez-vous, pas d'immixtion dans la vie des indigènes. Pas d'usage d'armes, sauf en cas de danger extrême, bien compris? Oui, mon commandant. Programmez approche de la planète. Nous restons en contact. Bonne chance. Tiens, ici, on va essayer de se poser là. Bonne route, les amis! La population d'ici est censée vivre comme nos ancêtres. Voilà environ 20 000 ans. J'aimerais pouvoir en juger. Or, voilà plusieurs heures que nous marchons et toujours personne. En survol, on avait pourtant repéré des feux dans ce secteur. On dirait que les conditions de vie sont difficiles. Du temps des Cro-Magnons, la Terre était peu peuplée et il n'y avait en tout que la population d'une de nos villes. Une chance, ce monstre va les tuer tous. Tu risques de les atteindre. Tu as raison. Ah, tant pis, j'y vais. Je te couvre.
Elle dit que si les chasseurs sont morts, ça n'a servi à rien. Comment, tu comprends sa langue? Non, bien sûr. Mais je lis dans ses pensées. Il a le cœur qui bat. Allez, un petit effort. Ah ouais. Oh, ah ouais, il y a pas. Lui, Appart, est un grand chasseur, pas une fablette. Il s'appelle Appart, c'est son nom. Traduis-moi donc tout ça. Il dit que son père était un grand chef vénéré. Le jour où il mourut fut un triste jour. C'est moi le chef ici. C'est moi, vous entendez? C'est moi et personne d'autre. Prosternez-vous devant votre chef. Un jour que le chef teigneux et ses hommes étaient à la chasse, Appart a défié le dieu ours pour prouver à tous qu'il était un grand chasseur. Et Ubayapula, ah ouais. Enfin, maintenant je comprends. Bah, ah ouais. Tout à fait comme dans le film. Eh oui. Eh, dominé. Mais c'est exactement maestro. Il se nomme Dominé. Il est savant et sorcier. Il était grand prêtre du temps du père d'Appart. Et tout le monde le respecte. Ce serait très intéressant de bavarder un peu avec lui. Vous comprenez notre langue, c'est très bien, et vous avez aidé nos jeunes amis. Comment je fais, moi, pour parler? Eh bien, je suis un peu sorcier, voilà. Il n'y a que notre imbécile de chef qui pense que je radote. Mais attention, ça va changer, et très vite, croyez-moi. Ah, mais attention, pas un mot. Mais dites-moi un peu, d'où vous venez? De la planète Oméga, à plus de 2 millions d'années-lumière. Voici Andromède, et à l'est... 2 millions d'années-lumière? Oh, bah dites-nous, ça fait un bout de chemin, hein. Bon, alors et à l'est... C'est le scorpion, oui. Et la vierge, le lion, le corsaire et les gémeaux. Où avez-vous appris tout ça? Ah, voilà, jeune homme, nos ancêtres savaient bien des choses. Rien ne s'invente. Moi, je ne fais que continuer un savoir qui m'a été dispensé par les célestes. Et croyez-moi, je peux vous affirmer que leur savoir était immense. Ils savaient maler des pierres dures par un feu puissant pour en faire toutes sortes d'objets. Ils avaient des instruments pour indiquer le temps et l'espace, et ils pouvaient fixer leurs mots par écrit. Et ils pouvaient élever des poids énormes ou s'élever eux-mêmes dans les airs. Mais d'où venaient ces célestes? Que sont-ils devenus? Ah, voilà! Voilà. Attendez, une légende dit que voilà longtemps, un grand froid est venu sur notre Terre et que presque tous ses habitants ont péri. Alors, ils sont arrivés comme vous d'une planète lointaine. Coupés de leur monde, ils ont fait souche ici. Au début, on a vénéré leurs souvenirs comme celui des dieux. Puis, avec les millénaires, tout s'oublie. Je suis peut-être le dernier à savoir. Ah, c'est joli, n'est-ce pas? Bon, ben, je la ferai cuire demain. Ce soir, fatigué. Tout ce savoir, pourquoi faire après tout? Rejoindre les ancêtres, vieillir. Allez, bonne nuit. Déjà dans la culture archaïque, Platon parlait d'une civilisation apportée aux terrestres par des dieux venus du ciel. Regarde ça si longtemps. Je te l'accorde, mais d'autres cultures et même certaines religions ont aussi repris le mythe de dieux bipèdes, laissant un enseignement. Curieux tout ça. Hey, ah, hey, ah.
sais, j'aimerais beaucoup que tu m'appelles par mon prénom. Moi, c'est Pierrot et toi, c'est Yana. Moi, Pierrot, et toi, tu es Yana. Moi, Pierrot, toi, Yana, oui. Non, moi, c'est Pierrot. Et toi, tu es Yana. Pierrot, elle et toi. Mariés? Nous ne sommes pas mariés, mais bons amis. Ah bon, alors Pierrot, un jour, tu te marieras avec Yana. Qui sait? Et depuis, vous n'avez jamais eu de visiteurs venus du ciel? Non, pas vraiment. Il est arrivé qu'on voit des ovnis. C'est ainsi qu'on appelle les objets volants non identifiés. Moi, je voulais qu'on leur adresse des signaux de bienvenue, mais le chef n'a pas voulu. Il dit, cet imbécile, que ça ne peut être que des esprits du mal. Tiens, ben, justement, le voilà, notre grand chef, c'est lui. Espèce de crétin, tu t'es encore trompé dans tes prévisions de chasse. Tu sais que je commence à en avoir plein le tour des plantes que tu peux faire. Puis si t'avais fait un peu moins de bruit avec tes atchoums, on aurait fait une meilleure chasse. On serait pas 15 pour manger ça. Oui, chef. Ah, et puis arrête de dire oui, chef, ça précise. Mais qu'est-ce que... Qui a tué cette bête? C'est toi? Alors, toujours en train de perdre du temps au lieu de travailler. Et cela, bien entendu, vous savez pas qui ils sont, je suppose. Alors, c'est qui? Ce sont des amis. Des amis. Et des amis venus d'une autre planète. C'est pas vrai, mon petit chef, il complote, il complote. Faribole que tout ça. Vous complotez avec à part, hein. Qu'on s'empare d'eux. Chef, regardez, hein? Toi, disparais. C'est moi, le chef. À part. Toi, tu seras ma femme. Et toi, tu seras sa femme à lui, tu entends? Puisqu'il semble te trouver à son goût. Alors, tu dis que tu viens du ciel, Blanc-Bec. Ben dans ce cas, prouve-le et vite, ou tu finiras dans un piège à fauve. Comme à pas. Ah, vous vouliez des preuves, hein? Bon, eh bien, je vais vous en donner, moi, des preuves. J'appelle le grand esprit du ciel. J'appelle le grand esprit. Pourvu que le grand esprit m'entende. Tu m'entends, mon copain? Dis donc, on va pas passer la nuit, quand même. Grand esprit, nous avons grand besoin de toi. Hein? Il se fait ma tête? Est-ce que j'ai une tête de grand esprit? Non, je te le demande. Tu ne comprends pas que c'est grave. Il est en danger et peut-être qu'il ne peut pas nous le dire. Vite, à son secours. Et voilà. Ouais, si je comprends bien, je viens de communiquer avec le commandant, le grand esprit du ciel. Le grand esprit du ciel. Oh, la série. Oui, chef. Oh. Allez, qu'on l'emporte. Oh, j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Esprit du mal, va-t'en, nous ne voulons pas de toi ici. Satan disparaît. Et toi, viens un peu avec moi. Oh, va-t'en, disparaît. Nous ne voulons pas de toi, je te dis, enfin, t'as pas compris? T'as compris? Fiche-toi qu'on est ici. Fiche-toi. D'abord, on est chez nous. D'abord, on est chez nous. T'as compris? Oh, ben c'est vrai, tiens, justement, il faudrait que je fasse cuire ma petite statuette. Avec tout ça, j'allais oublier. Vous, homme ou Dieu? Nous sommes des gens comme vous. Bon, alors moi, partir avec toi. Mais non, Yana, ta vie est ici, avec les tiens. Apar fera un bon mari pour toi. Et un bon chef pour votre peuple.
Vous avez à vous élever dans la condition humaine, à bannir la force brutale, à apprendre le respect que vous devez à vos semblables, l'amour des autres, quel qu'il soit. Progressez, et un jour vous deviendrez digne de notre communauté. Et ce jour-là, nous reviendrons. Tori, ma statuette. Ici Goulavre, ici Goulavre. Une formation de 8 vaisseaux de combat se dirige droit vers vous. Donnez vos instructions. Ici Colibri. Cobra, Kangourou en formation. Couleuvre, soyez prêts à attaquer par derrière. Bon à nous. Ici Police Interstellaire. Qui êtes-vous? Faites-vous connaître ou dans 5 secondes, nous ouvrons le feu. 4, 3, 2, 1. Ils sont rapides. Je pense qu'on ne les reverra pas de sitôt. Par sécurité, on va poser quelques mines spatiales. Attendez, a-t-on des nouvelles de la libellule? Ici libellule, avec araignée, nous rejoignons la formation. Rien à signaler. Et à quelque temps de là... Allons, dis au revoir et bonne chasse. Alors, des dieux jeunes et beaux sont descendus du ciel dans de beaux habits de lumière et ils apportaient aux hommes de notre terre la connaissance. Mais parmi les nôtres, il y avait des méchants. Alors... À l'infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais...